Salut à toutes, c'est Alexandre pour une nouvelle vidéo. Alors j'avais parlé dans ma vidéo survie des 4 étapes de survie donc là on va plutôt se concentrer sur comment purifier l'eau parce que j'ai vite fait un truc mais faut pas le faire hein, vraiment. Ce que j'ai fait c'est en cas d'extrême urgence si vraiment vous n'avez pas bu depuis longtemps et que vous allez vous assécher et du coup c'est vrai qu'il faut boire. Mais là on va vraiment voir la technique où c'est 100% purifié, l'eau va être 100% purifiée, elle va être claire et il n'y aura pas de microbes ou quoi. Donc on se retrouve dès que j'ai préparé le feu, on va le faire avec le feu, et je vais vous montrer la gourde que j'utilise, c'est la gourde des militaires. Donc voilà, c'est parti, je vais prendre un briquet, toujours avoir un briquet dans son sac, mais on fera aussi une vidéo quand je recevrai mon fire steel avec le fire steel. Donc là, hop, on allume, ça part tout simplement très très vite. Voilà, alors ça s'allume extrêmement rapidement. J'ai pas mis tout ce qui est essence, rien. J'ai juste mis du plumeau et les plumeaux c'est très très rapide à prendre feu. Donc après, hop, on met avec du bois. On va prendre bien sûr, hop, hop, la gourde. Hop. Sous cette gourde, il y a une poche métallique. Oh, j'en ai rempli. Hop, voilà, bon, je me suis tout mouillé, bon, c'est pas grave. Voilà, une poche métallique où on va mettre. Je suis tout mouillé, bon, c'est pas grave. Une poche métallique où on va mettre bien sûr hop, de l'eau qui vient du ruisseau, comme ça vraiment je vais tester le truc et normalement ça marche à 100% vu que l'armée, les survivalistes et tous ceux qui survivent quoi, ils utilisent cette technique. Alors là, voilà, la chaîne s'était emmêlée. Hop, on va mettre du bois. Toujours, faut pas perdre, une fois qu'on l'a, faut vraiment pas le perdre. Hop là, voilà. Hop là, voilà, je vous retrouve dès que j'ai mis dans la gamelle. Voilà, donc j'ai mis, hop, attention, il y a un peu de fumée, ça pique les yeux. J'ai mis donc la gamelle remplie d'eau sur le feu. Il faut attendre, dès que ça boue, on pourra la boire donc. Et ensuite, avant de la boire, on la filtrera avec tout simplement un morceau de tissu, un morceau de pantalon, comme je vous l'ai expliqué. Il faudra le plier en 4. Et puis ensuite vous pourrez la boire. Donc là, on attend un peu. Donc voilà. Voilà. Donc il y a toujours de la fumée. Voilà, donc bah là on a un petit feu. Il commence à avoir quelques bulles au fond, donc ça va être bon. Hop. Voilà. Ah bah là, vous ne voyez plus. Il y a tellement de fumée. Je vous reprends dès que l'eau est à ébullition et que ça sera bien sûr bon. Voilà, ça commence à être à ébullition. On va attendre encore un peu que vraiment ça chauffe un peu. Et après, on pourra la boire. Donc voilà, l'eau est à ébullition. On va la retirer tout simplement. Voilà, hop. On va se munir du chiffon, de votre chaussette, ou voilà. On va entourer. Aïe, voilà. Attends, on va éteindre. Voilà. Comme vous pouvez constater, comme ceci. Et là, vous éteignez soit le feu, vous le gardez pour vous réchauffer la nuit et pour vous séparer des prédateurs et tout. Ou sinon, vous l'éteignez comme ceci. Et puis voilà. Il faut toujours bien le regarder, l'eau est bouillante, donc j'attends un petit peu et on se retrouve pour la boire. Donc voilà, l'eau a un petit peu refroidi, elle est encore un peu chaude mais ça risque de brûler un peu mais c'est pas grave. Donc on le plie comme c'est prévu, soit vous reprenez votre gourde comme ceci, vous allez prendre le chiffon comme ceci, là, voilà. Vous allez faire un petit trou pour que ça fasse comme ceci. Et c'est à ce moment-là où, maintenant que ça a refroidi, voilà. Au plus c'est lent, au mieux ça veut dire que le filtre va tout doucement filtrer l'eau. Et c'est mieux, moi. Voilà. Voilà, pas trop. On entend que ça coule, donc c'est nickel. Et je vous reprends dès qu'on a un petit peu. Voilà, donc là, l'eau, excusez-moi, est encore chaude, mais on peut la boire donc.
L'eau a un petit goût chaud et de bois, mais c'est nickel, vraiment l'eau. Là, on est sûr, vu le temps que j'ai mis à chauffer, on est sûr que l'eau est enlevée de tous ces résidus et de ces microbes, donc c'est nickel. Et bien voilà, c'était la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et il y aura une suite pour comment allumer un feu avec un fire steel et faire un très bon campement isolé de tous les animaux. Et puis voilà, ciao, abonnez-vous!